Maintenant, je dois pas la laisser me toucher. Je dois faire la même chose, mais sans qu'elle me touche, en fait. Ok, ok, lève-toi, 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 gamine. Ok, elle aime vraiment pas son reflet, hein. Allez, reprends le miroir, reprends le miroir, reprends le miroir. Ah ! Ouh ! J'ai cru qu'elle allait me toucher. Ouh ! Ah, j'en ai des frissons, ce jeu, il me stresse. Lève-toi, gamine, lève-toi, lève-toi. Ramasse le miroir, ramasse le miroir. Elle a perdu son masque. Elle avait un masque, elle a perdu son masque. Putain, la gamine a faim. Putain, me dis pas qu'elle va la bouffer.
Merci d'avoir joué. Merci d'avoir proposé le jeu. Particulier. Très particulier comme jeu, très... Moi j'ai aimé. Mais, en fait, il a une ambiance vraiment unique. Dans le sens où, pas une seule fois dans le jeu, on a une ligne de texte. Pas une seule fois. Pas le moindre dialogue, pas le moindre texte, rien. C'est toute l'interprétation du ressenti, du... Tout se base sur l'ambiance, parce qu'au niveau scénario, il y en a un. Mais il n'est pas expliqué, c'est selon la façon dont on le voit chacun. Qu'est-ce que ça veut représenter, de quoi ça veut parler exactement, ça c'est propre à chacun, quoi. C'est un petit jeu à ambiance vraiment sympa. Maintenant, il est un peu court, hein. Je crois que... Allez, en 2h30, 2h45 maximum, je l'ai fini, donc très très court. La rejouabilité n'est pas énorme non plus, je veux dire par là, je vais y rejouer et puis quoi. Tout ce que je vais chercher, c'est les petits copains que j'aurais pu louper, les lanternes, les petites statuettes à casser, mais voilà, c'est pas... Une fois que t'as fini le jeu, on va pas... C'est pas vraiment un jeu sur lequel tu vas retourner tout de suite, hein. Donc, niveau durée de vie, ça se pose là. Mais mis à part ça, il est très beau, l'ambiance est très bonne, à condition d'aimer le style, évidemment, mais moi, ce genre de petit jeu un peu glauque, malsain, ben, j'aime, hein, et vous aussi, si vous me suivez, parce que c'est le genre de jeu que je fais assez régulièrement, Alice, Madness, Return, Rule of Rose, ce genre de truc. Mais voilà. Il est sympa, mais trop court à mon goût. Un peu court. Pour 20€, on s'attend à un petit peu plus. Par contre, ce qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'elle est ? Parce qu'on était dans un bateau, et là, maintenant, elle est sur une île, sur une petite île, qui a l'air de flotter, d'ailleurs. Particulier. On peut se poser des questions, mais évidemment, c'est le genre de jeu où ils font exprès d'être très mystérieux. Mais voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus ? Oui, on a des illustrations que j'ai pas tout débloqué d'ailleurs. Ah, oh, c'est dégueulasse. Bref, on va pas... Oh, pour le peu qu'il y a, ouais. Allons-y. On dirait des petits trucs en papier, ces machins. Voilà. Intéressant comme jeu, comme j'ai dit, hein, ça c'est selon la sensibilité de chacun, mais trop court. Mon avis là-dessus, voilà, c'est bon jeu, mais trop court. En résumé, on peut dire ça. Mais je me suis quand même amusée dessus, c'est le principal. Le principal hein, pour un jeu, c'est quand même de s'amuser dessus, de ne pas être frustré, donc non. Little Nightmares, ça a plus de positif que de négatif. Maintenant, est-ce que ça vaut les 20€ ? Comme j'ai dit, moi je regrette pas, mais j'aurais quand même voulu un petit peu plus, un petit peu plus long. Maintenant, j'ai peut-être eu de la chance. Enfin, de la chance dans un jeu de plateforme avec moi, c'est plutôt rare, mais bon, voilà. Bref, on va se laisser là pour ce jeu, hein, parce que je peux pas vous montrer beaucoup d'autres choses. Voilà, on a fini le jeu. Les trucs en plus, statuettes, petits machins, ce genre de trucs, à mon avis, c'est juste pour débloquer d'autres illustrations. Mais voilà, je crois qu'on a fait le tour du jeu. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dessus. Si l'univers vous plaît, achetez-le. Si vous trouvez qu'il est trop cher, attendez les promos sur Steam. À mon avis, c'est le genre de jeu qui va vite être en promo. Mais voilà, c'est un petit jeu sympa. Il aurait mérité un petit peu plus d'heures de jeu. Je ne sais pas quoi dire de plus par rapport à ce jeu, donc on va se laisser là. Merci d'avoir regardé ces vidéos et on se retrouve pour un prochain Let's Play. Salut tout le monde !